Salut YouTube! Que d'émotions, que de rebondissements dans ce jeu qui est Resident Evil 2 Remake. On parlait du 3 qui va sortir. Je le ferai sans doute en stream. Parce que celui-là me choque, je suis surpris à chaque fois que je progresse. D'ailleurs, progressons. N'attendons pas plus longtemps. Oh! T'es sérieux? Ah mais oui, je suis con, je sais. Ouais, suis-je bête? Ici, hein. Yes, les égouts. Alors, j'ai entendu des rumeurs à propos des égouts de ce jeu. Chérie, est-ce que tu m'entends? Pourquoi elle ne sauve pas sa peau? On a vu la maman de Chérie qui a dit t'occupe pas de ma fille. Pourquoi nous? Est-ce qu'on se barre pas d'ici? Avec le 3, tu vas devoir porter une couche. Ah ouais, je sais. Avec le fameux Némésis. Je suis un peu déçu là que Mister X il soit fait déchiqueter aussi facilement là. Ça m'étonne un peu, tiens. Ah ouais, les égouts. Putain, qu'est-ce que je viens faire ici? Avec le virus qu'il y a partout, quelle idée d'aller se taper dans les égouts, hein. Faudrait juste se barrer de cette ville, hein. Et voilà, je suis dans la merde, au sens propre. Ouais, non, t'étais déjà dans la merde avant, hein. Ça va pas être chouette, hein. Ouh, ça va pas être chouette. Ah, on peut pas combiner les deux. Peut servir à éliminer les toxines de votre corps. Alors là, vu qu'on est dans les égouts, les toxines, on va en avoir, hein. Ça y est, il me faut déjà une clé pour progresser. Alors c'est qu'une porte qui est verrouillée. Progressons dans la merde, hein. Ah, ça. On va avoir des zombies qui vont sortir de l'eau, vous allez voir. Ou des trucs pires encore. Comment, avec tout ce qu'elle a pu voir depuis le début qu'elle est arrivée dans cette ville, comment est-ce qu'elle ose mettre les pieds dans ce truc dégueulasse? Tu sais que Mister X n'est pas unique, il a des centaines de copies, on peut le voir dans une mission de Resident Evil Opération. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est autant connu alors. Ah, ça semble logique. Merci de l'info. Merci de l'info. J'avoue que, bon, ça paraît bête, mais maintenant, en faisant ce jeu, ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire des jeux. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont faire les remakes de tous les jeux. De tous. De tous, de tous, de tous. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas commencé par... Oui, ça c'est vraiment dommage. Pourquoi ils n'ont pas commencé en faisant un remake du premier? C'est étrange quand même. Ils ont commencé que le 2. Le 2, je sais qu'il avait eu un gros succès, mais le premier, il est pas si nul que ça, quand même, si? Là, il y a un truc qui va. Mais là, il y a des zombies qui vont glisser. C'est un robot au passage. Ah, c'est un robot! Pourtant, il est. Enfin, ça doit être un robot un peu. Ah, je peux pas y aller. Un peu. Comment on appelle ça? On appelle ça comment? Un robot mi-humain, mi-robot, quoi. Hein? Hein? Je trouve plus le mot. Parce que tantôt, il a saigné, en fait. Quand il s'est fait tuer, il a saigné. Bon, il y a un truc qui va tomber de là. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est clair, ça mettrait trop de temps. Je vous cache pas que je ne suis pas à mon aise. Funiculaire? Ici? Un funiculaire. Le jeu est plus long que ce que j'aurais cru. Enfin, plus long.
Il a eu un remake. Ouais, il a eu un remaster, c'est pour ça, ouais, voilà. Ah, ils sont deux, hein. Ils sont plusieurs, hein. Ils sont probablement pas morts. Mais gardons nos balles pour l'instant. Il y en a un autre là d'ailleurs. Bah écoute, tu peux. Là, ce qui serait bien, Seven Moon, déjà, merci beaucoup à toi de proposer ça. Ce qui serait bien pour Tofun et moi, c'est que tu nous expliques peut-être ce qu'il se passe. Putain, ce qui se passe dans le premier Resident Evil? Genre, tu te concentres juste sur le premier. Et nous donner quelques infos grossièrement, hein, ça serait intéressant. Moi, je suis pour. Email au QG d'Umbrella. Sachant que j'ai vu les films, même si je sais que les films c'est de la merde par rapport au jeu, j'ai bien aimé certains des films, je trouvais ça cool, bizarrement. Alors, directeur Owens, des alarmes se sont déclenchées dans tout le Nest. Le Nest, Nest ça veut dire nid en anglais, un nid. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entends des tirs et je n'arrive pas à joindre mon chef de section. On est pris au piège, envoyez de l'aide au plus vite. La situation ici est désespérée, le Nest a été contaminé par le virus. C'est incroyable, le système de sécurité ne s'est pas activé. Il a été installé par des sous-traitants? Je suppose que oui, mais pourquoi? Mayer et Kim sont morts, je n'arrête pas de tousser, pourquoi vous ne répondez pas? Vous, c'était vous depuis le... Directeur Owens, ok. Merde, j'ai fait de la merde. Attends, parce que est-ce que c'est bien par là que je dois aller, hein? Il y a sûrement un truc ici que j'ai pas encore fini là. Il faut que je puisse observer calmement, attends. Là, il y a un truc là. Ah, mais il y a une échelle! Bah ouais, mais viens, on y va en fait. Je les tue pas, les zombies. J'aurais pu avancer sans tirer des balles. Ah oh. Oh, ouais, ce serait top, hein. Ce serait top. Mais que sur le premier. Hein. Chérie, pourquoi t'es pas resté à la maison? T'étais en sécurité là-bas. Hey, ta gueule! J'avais peur. Ces monstres étaient partout et... T'aurais dû appeler la police. C'est pourtant ce qu'on t'a appris. Je l'ai fait, mais personne n'est venu. Et tu répondais pas au téléphone. Chérie, alors... je n'ai pas le temps de discuter. Waouh. T'imagines avoir une maman comme ça? Chérie! Chérie, j'arrive! Oh là là, la pauvre! Tiens bon, chérie. Oh, quelle maman, quelle connasse! Ok, je peux sauvegarder ici encore. Est-ce qu'il y a des objets? Des munitions? Ok, on regardera après. Un plan! Carte des égouts. C'est carrément un autre level? Ah bah ouais, là je dois dire les gars que je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Je lis vite. C'était pas intéressant. Un lecteur cassette. La boîte, bien sûr. On va déposer ses fleurs. On va... Ok, on va déposer ça. Ça, du coup, bah, je crois pas que je vais en avoir besoin. Hein. C'était quand même... Ouais, non, c'est hyper loin. Ça sert à rien. Je le dépose.
J'ai dû rater quelque chose alors. Ça, on va laisser ça là pour l'instant. J'ai un couteau sur moi. Attends un peu. SLS 60. Et là? Munition améliorée SLS 60? Ah! La puissance de ces munitions nécessite un cadre renforcé. Je suis pas sûr que je puisse déjà les utiliser. Hein. On les déposer. Désolé, hein, je vous lis juste après. Je regarde un peu. Ouais, bon. Est-ce qu'il y a des objets ici? Ça, je sauvegarde après avoir... Ok, d'accord, il y a des trucs. Il me semble qu'il y a... What the fuck? Alors. Resident Evil 1 a déjà eu un remake. Ah oui, ça, tu l'as déjà dit. Ah, mais en fait, je suis con, je relis les messages. Moi, je relis les premiers messages. Génial. Elle sert à rien, c'est incroyable, cette femme, t'as raison. Accès à la zone U. Ok, ça va être important, ça. J'ai perdu le truc qui expliquait comment ouvrir la porte de la zone U. Pendant le dernier transfert, je sais qu'il faut brancher une prise dans chaque terminal, mais si quelqu'un se rappelle de l'ordre, soyez sympa et affichez l'info sur ce tableau. On peut pas la prendre. On va faire un screen de ça. Ou alors mieux, je vais l'écrire. Tour et cavalier, même mur. Ok, tour... Cavalier. Même. Mur. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. Fou et reine pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre aussi. Reine et tour. En face. C'est important, je pense. Je pense que c'est important. Ouh. Bon, je m'attendais pas à attaquer un tout nouveau niveau. Je crois pas que je vais jouer énormément longtemps dans ce level, les gars. Parce que voilà. Je sens qu'il va falloir réfléchir. Et quand moi je suis en fin de stream... Réfléchir devient parfois compliqué. En tout cas, putain, ce jeu me réserve encore des surprises, j'ai l'impression. Je m'attendais pas du tout à tout ce bordel. Alors, pas du tout. Alors, donc ça, c'est une porte. Verrouillée. Un composant électronique. Ok. Là, il y a les trois d'un côté. Ça active quoi, là? Ah, mais attends. Ça, c'est le cavalier. Ça, c'est la tour. Et ça, c'est la reine. Alors, attends, je vois pas bien. Ouais, c'est ça. Alors. Ah, mais par contre, celui-là, il y a un dessin dessus. Donc, ça, c'est bon, alors. Celui-là, il est bon. Celui-là, on doit le laisser là. Enfin, je crois. Du coup, fou et la reine, ils sont pas côte à côte. C'est quoi le fou? Alors, il m'en manque, en fait. Mais je suis con, il m'en manque. Il m'en manque trois. Là, c'est le cavalier. On peut déjà le mettre. Le cavalier, on peut déjà le mettre là. Est-ce qu'il y a un autre? Là, il n'y a pas de papier. Là, il n'y a pas de papier. Et qu'est-ce qu'il y a à côté du cavalier? La tour et le cavalier sont sur le même mur. On sait qu'ils sont sur le même mur, c'est tout ce qu'on sait. Attends. Et la reine et la tour sont en face. Mais ils sont en face. Donc ça devrait être bon en fait. En fait, ça devrait être bon là. Mais il manque peut-être quand même des trucs. On va avancer de l'autre côté. Exact, c'était le pion. Mais peut-être qu'il y en a encore ici, des pions. Oh.
Parce que là, j'ai l'impression que je les ai mis vraiment dans le bon ordre, les pions. Mais il y a encore deux emplacements sans pions. On l'a vu, lui. Par là, je peux pas aller. Le jeu me dit merde. Bah du coup, j'ai dû foirer un truc avec les pions. Peut-être pas. Attendez, une plante par là. On va aller voir le zombie aussi. Hein. La plante. Est-ce que là, on n'aurait pas un petit pion, là? Outil. J'ai entendu un bruit, par contre, à côté de moi. Ah, c'est ça. Par contre, regardez, il y a le signe d'Umbrella. Oh! Les gars. Ça, là. Ça, ça sert à aller dans le laboratoire d'Umbrella. Bracelet d'identification requis pour le funiculaire. Moi, je pense que là-bas, tout au fond, il y a le laboratoire d'Umbrella. Et c'est là-bas que toutes ces atrocités ont été créées. Ah, c'est horrible. Je pense que c'est ça. Hein. Du coup, là où on est, c'est pas... Hein, il faut partir. Hein. Il faut pas rester ici. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Les égouts près d'un laboratoire de fous. Non, mais allô. Un coffre, j'ai pas de combinaison, j'en ai pas noté, donc j'ai pas encore lu. Il m'a quand même fait peur. Bon, on va pas le tuer. C'est par là que je suis arrivé. En fait, non, c'est pas par là que je suis arrivé. Attendez. Exit. Mais les pions. T'as vu, Seven Moon, il dit plus rien. Mais peut-être que Seven Moon se concentre pour nous expliquer le lore. Qu'est-ce que je fais avec lui? Est-ce que je vais rejeter un coup d'œil aux pions, voir si j'ai pas raté quelque chose? Est-ce que j'ai pas foiré quelque chose? Alors, attends. On va regarder juste ça. La tour et le cavalier sont sur le même mur. Le cavalier est là. La tour est là. Bon, il est bloqué, tout va bien. Ensuite, et il est rentré, hein. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. Bon, tu sais quoi, attends. Ah, mais j'ai pas le fou. Ok, lui ça c'est fait. Il allait m'emmerder, hein. Salle de sauvegarde ici. En fait, j'ai pas le fou. Ah mais si, ou alors le fou c'est... Mais non, la tour et la reine. Ça c'est censé être la reine. Ouais bon, bah du coup j'ai pas, on va progresser alors. La tour, je pense que c'est le fou. Ah bon? Le fou tu l'as posé. Mais attends, parce que là les infos... Y a tour, y a cavalier, y a fou et reine. Donc, il me manque un pion. Il me manque un pion. Mais du coup, j'ai vu une porte exit. J'ai vu une porte. Et aussi, j'ai eu cet objet-là. J'espère que j'ai bien expliqué. Vous avez reçu? Mais non, on n'a rien reçu. Ah, Seven Moon, on n'a pas reçu. C'est que tu as envoyé trop de... Il faut que tu l'en... Merde, c'est con. Ah, merci, Lucie. J'avais pas vu que c'était toi, Lucie, putain. Pardon, oups, désolé. Tu n'as pas de tour, c'est le fou. Ah, d'accord. Ok, merci, Lucie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'info. Putain, je suis trop bête. Désolé. Justement, j'hésitais, en fait. Donc ça, ce n'est pas la tour. Attends. Prise fou. Ah ouais, en plus, c'est écrit dessus si je clique. Oh, je suis trop fou. Je suis trop fou. Mais Seven Moon, si t'as encore ton message, copie-colle la moitié et envoie-le en plusieurs bouts. Alors, désolé. C'est moi qui ai mis une limite en plus pour pas qu'on puisse envoyer des pavés sur mon chat. Oh merde, je suis désolé, j'avais pas réfléchi à ça. Attends, du coup le fou... Et du coup il me manquera la tour. Hein. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine est là. Ça c'est la reine, hein, on est d'accord.
Moi j'ai envie de prendre maintenant les pions pour bien être sûr. Prise pion. Hein? En fait j'ai juste pas du tout les trucs. En fait, c'est pas la reine du tout. Et ça, ça c'est le cavalier quand même. Prise cavalier. Ok, donc en fait, je suis juste un taré. Hop, ça, on le met ici, c'est sûr. Le pion, du coup, c'est sûr, c'est là, vu qu'il y a le dessin. Mais je suis vraiment nul, hein. Mais je ne sais pas jouer aux échecs. Je ne sais pas jouer aux échecs. Tu peux pas que... Ah, putain, je suis désolé pour toi, Seven Moon. Je suis désolé pour toi. Vraiment, vraiment, je suis désolé. Du coup, on a que le cavalier, et alors on sait que... Oula, j'ai mal écrit. La tour et le cavalier sont sur le même mur, c'est tout ce qu'on sait. Fou et la reine ne sont pas côte à côte. Oh là là, mais du coup, ça sert à rien de continuer ici. Je vais le mettre là pour l'instant. Et on va juste avancer vers la porte exit que j'ai vue plus loin. Ah, il commence à se faire tard. Hein. Il commence à se faire tard. Hein. Je vous le dis. Batasha commence à être fatiguée. Mais tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Il y a la porte exit, là. Je ne suis pas déjà venu ici, quand même. Hein. Si? Non. Nice. Ok, j'attends que tu aies écrit tous les messages. Bon, là, par contre, c'est relou, hein. C'est relou, cela. Ok. Ok, ça se passe bien. On a un truc de vie en plus. On a de quoi se soigner. Ouh là là, où c'est sombre. Ouh là là, attendez. Ouh là là, je suis désolé si vous ne voyez rien. Ah, c'est l'endroit du début là. Ok, parfait. Donc là, maintenant... Je suis occupé d'ouvrir des passages. Dis-moi quand je lis un Seven Moon. Parce que je vais essayer de tout lire d'affilée, en fait. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je vais par là, dans l'eau? Descends. Il y a quoi par là? Une grenade, ça nous fait 3 grenades. J'aurais pu les utiliser contre le zombie, hein. Contre les deux zombies, là. Ok, je suis vraiment désolé si vous ne voyez rien. Hop. On va descendre par ici. On va laisser celui-là tranquille, hein. On ne dirait pas qu'il y a d'objet. Après, ça se trouve, il a un objet sous lui. Allez, on va regarder. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. La clé, on doit la récupérer, parce qu'il y a plusieurs endroits où la mettre, il me semble. Ah, j'ai hâte de te lire, j'ai hâte de te lire... Ah, attends, oui, je l'ai récupéré. J'attends vraiment pour pouvoir tout lire d'une traite. Je rappelle que Seven Moon est occupé de nous expliquer dans le chat l'histoire de Resident Evil 1. Ah, mais... Oh là là! Oh là là, mais il y a des trucs pas nets ici, hein. Oh là là! Oh là là! Oh là là! On va tomber face à des monstres. J'ai cru que ce truc-là avait bougé.
Mais c'est avec ma lampe de poche. Une clé. Super. Ça va, le niveau a l'air quand même plus petit que le manoir. Hein. Quoique. Quoique. Ah, je peux descendre là? C'est une bonne idée, ça? Est-ce qu'on y va? Je suis à peine descendu. Oh, il y a de la vie, là. Je suis à peine descendu, on a entendu des bruits. Ok, cet endroit est flippant. Je viens de me crafter de la weed. De la beuh, les enfants. Magnifique. Ça va me servir à me soigner plus tard, ça. On dirait qu'il y a un zombie qui se noie dans l'eau. Hein. Je vais regarder là s'il n'y a pas un objet. Ah, mais c'est horrible! Ah, parce que tu crois... Le jeu croit que je vais y aller? Non! On va monter les escaliers là-bas, voir ce qu'il y a en haut des escaliers d'abord. Ah, c'est horrible, hein? Il pense que je vais aller là où il y a le bruit, dans l'eau? On dirait qu'en plus, je peux pas faire demi-tour. Attendez, juste aller voir ce qu'il y a là-bas. Ouh, c'est horrible! Ah, c'est horrible! Allez! Attendez, deux petites secondes. Hop. Ok. Ah, c'est la porte au début. Ah. Ok, je peux l'ouvrir que de l'autre côté. Ok, je sais comment l'ouvrir. On va pas faire ça, on va aller là où il y a le bruit. Ça va pas être chouette. Moi, je vous le dis, ça va pas être chouette. Bon, j'ai hâte de te lire. J'espère que c'est pas encore trop long, hein, Seven Moon. Ça a l'air très long, ce que tu nous racontes, là. Mais, bon, au final, ça m'intéresse. Donc, y a pas de souci, bien sûr. Mais tu m'étonnes que Twitch, il ait pas accepté tout ce message. Je suis désolé que tu doives tout retaper, hein. Bon. On va focus. À mon avis, je mettrai fin au live juste après avoir expliqué tout ce que tu es en train de décrire. On y va. Remaël. Alors là, mon vieux, il s'est passé des choses, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Il s'est passé énormément de choses. Ça a été très très vite. Je dois vraiment aller par là? Je dois vraiment aller par là? Oh putain!
Mais what the fuck? Y a ça dans Resident Evil? Grimper là ou pas? Non, bien sûr que non. Crache des choses dans l'eau, hein. Putain. Mon couteau. Putain, quel bordel. Ok, alors. Ouf. Alors, déjà, Mr. X, il s'est fait buter. Enfin, du moins, je crois. À mon avis, il reviendra pas. Mais c'est probable. Il y a eu une sorte de combat de boss. C'était très étrange. Du coup, il est probablement mort. Il s'est fait un peu déchiqueter. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. C'est quoi ta chaîne YouTube? Alors, j'ai celle-là. Ça, c'est tous les replays sous forme d'épisodes sur une chaîne YouTube. C'est les replays des lives. Et sinon, il y a ça. C'est ma chaîne principale où je suis avec un ami et on fait des vidéos où là, il y a du montage et on fait plein de choses. Je t'invite à aller voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire... Seven Moon. Seven Moon qui nous raconte un peu l'histoire du premier Resident Evil. On va se focus là-dessus. Je vais vous lire ça, l'histoire du premier. Donc pour ça, je dois monter le chat, donc je vais vous lire dans 2 minutes la suite. Alors... Dans le premier Resident Evil, on incarne une équipe appelée Stars. Stars, on sait qu'il y a le frère de... On sait qu'il y a le frère de Claire. Claire, c'est le personnage que je joue. Composé de Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton et Albert Machin. Ok, le capitaine. Ils sont appelés dans une forêt, la forêt de Raccoon City, pour un accident de train à cause d'un virus. Propagation d'un virus. L'hélico se crache, ils se font courser par des chiens. Ils prennent refuge dans un manoir. Ils perdent contact avec Alice, avec Chris. Alors, attends. Hein. Ils essaient de le retrouver. Ils remarquent que le comportement de Wesker, un des membres du groupe, est bizarre. Donc là, c'est l'histoire du premier Resident Evil. Hein. Soyez attentifs. Ils arrivent à découvrir que le manoir est un labo secret d'Umbrella et que Wesker est un traître. Un traître et il travaille pour eux. Le but de Wesker était donc de les emmener au manoir pour tester une arme biologique sur eux. Serpent géant, requin géant, araignée. What? Et il nous présente le premier tyran. Et le tyran c'est Mr. X. Parce que figure-toi, Maël, que Mr. X porte un nom. Il s'appelle le tyran. Tyran. Donc là, dans le premier Resident Evil, il y a eu la première version du tyran. Parce qu'il paraît qu'il y a plusieurs tyrans. Ça fait beaucoup de fois le mot tyran. Apparemment, c'est un être qui a été créé totalement. Du coup, il y en a plusieurs. Ok. Le tyran bute Wesker. Il attaque tout le monde. Le manoir va exploser. Ah oui, ils font exploser le manoir pour effacer les preuves du virus. À la fin, le tyran se fait exploser par une roquette. Et ils se font escorter. Ouh, ok. Et ils retrouvent Chris. C'est à cause du manoir que c'est le bordel dans la ville. D'accord, donc tout a commencé. Toute l'histoire de Resident Evil a commencé à cause d'un laboratoire secret sous un manoir. C'est un peu comme dans le film.
mais dans le film, c'est sans doute très mal fait. Putain, c'est violent, c'est lourd. Ça me donne envie de faire le premier. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Seven Moon. C'est lourd, c'est très très lourd. Et je crois que je vais revoir les films, hein. Par contre, on a vu qu'il y avait un laboratoire ici, sous le terrain aussi. Sous la ville, on dirait, hein. Merci, Tofun. Merci beaucoup à toi. Bon, retournons dans le jeu. Je vais jouer encore une petite demi-heure maximum, je vous préviens. Alors là, ces créatures, je vous avoue, quand je les ai vues, j'ai pas cru que je pourrais les battre, hein. Maintenant, je comprends pourquoi j'avais autant de munitions depuis le début du jeu. Là, j'en ai gaspillé tellement. C'est tellement... Waouh. En tout cas, normalement, il n'y a plus de bruit, donc je pense qu'il n'y en a plus, hein. Je pense qu'il n'y en avait que deux. On va regarder s'il n'y a pas les objets. Eh. Oh là là, est-ce que je suis pas trop fort? Est-ce que je suis pas trop fort? Alors désolé, là vous ne voyez rien, je sais, je m'en excuse énormément. Et du coup Maël, le truc c'est que... Est-ce que tu veux que je t'explique tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses? Ou est-ce que tu veux... tu pourras regarder peut-être le replay. Et tu sais, aller faire des clics un peu au pif pour voir un peu ce qui s'est passé quoi. Ah c'est pour descendre, on ne veut pas descendre par là, je viens de là-bas. On va aller voir de ce côté-là. Ok, ils sont faciles à tuer, hein. J'ai juste eu super peur quand il y a eu... quand il y a eu les deux premiers, hein. Attends, il n'y a pas un objet? Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis tantôt? J'ai réussi à débloquer la carte qui permettait d'ouvrir le parking pour pouvoir aller dans la ville. Ah là là, attends, là, il y a peut-être un objet, là. Ah, je peux pas y aller? À côté de la carte, il y avait un téléphone. Il a sonné. Et je sais pas si tu te rappelles du vieux monsieur à lunettes qui est venu, qui a kidnappé la petite fille. Il m'a appelé. Il m'a appelé parce qu'il voulait le collier de la petite fille. Est-ce que vous vous rappelez que elle avait ramassé le collier de la petite fille? Bref, apparemment ce collier est très important. On ne sait pas pourquoi. J'ai plus de grenades! Oh là là, j'ai plus de lance-grenades, je veux dire. Oh, mince. Et du coup, il y a eu une sorte... comment dire? Donc la fille était au téléphone, Claire. Et en fait, on est passé à l'autre bout du téléphone et on a vu ce qui se passait chez le mec qui a kidnappé la fille. Ensuite, on a carrément joué la petite fille. On a dû jouer la petite fille pour essayer de s'échapper de la maison du mec qui était qui est en fait le chef de la police. On a dû s'échapper de sa maison. On n'a pas réussi parce qu'il y a notre père, le premier boss. Le premier boss, c'était finalement le père de l'enfant qui est venu, qui a... contaminé le chef de la police qui en est mort. Ensuite, on a rejoué Claire, on a dû traverser un peu la ville pour arriver à l'orphelinat. Oui, c'était un orphelinat. On y a été, on a essayé de trouver la fille, on s'est retrouvé dans ses égouts. Dans ses égouts, Mr. X nous a poursuivis. Le premier boss a tué Mr. X. Ça fait beaucoup, hein. Ensuite, on a rencontré la mère de la fille, qui est en fait une scientifique pour Umbrella, qui est folle, qui ne veut pas le bien de sa fille. Et on en est là. On essaie de retrouver la petite fille. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Je m'attendais pas du tout à avoir un niveau aussi dégueulasse. Je m'y attendais pas. Le but d'Umbrella était de créer un virus qui permettait de guérir la fille d'un des trois fondateurs. Oui, le virus s'appelait le virus T. C'est ça. Mais il n'avait pas prévu les effets secondaires qui transforment les gens en zombies et en monstres, clairement. Ah, t'as vu, Maël, il s'est passé des choses. Ça s'est accéléré, hein. Ok. Pas d'objet là? Là, j'avance, hein. Je ne sais pas où je vais, hein. J'avance, je progresse, mais... ouais, je peux gaspiller une balle. Ouais. Je suis désolé, vous ne voyez sans doute absolument rien.
Il fait très noir, hein. Il fait très noir. Ah, on est au-dessus du funiculaire, je crois. On est au-dessus du petit... Oh. Mais c'est un véritable labyrinthe ici. C'est un véritable labyrinthe, c'est incroyable. Il y a l'air d'avoir un truc là, les gars. Je sais pas, c'est une arme. Nous avons la reine. Super. Alors là, j'ai trouvé un objet qui me permettra d'ouvrir une prochaine porte. GG pour le level up, Seven Moon. Donc c'était important que je la trouve. Et apparemment j'en ai besoin pour ouvrir cette porte là aussi. Putain, c'est... Ça devient le bordel, hein. Ok, bon, on va ouvrir cette porte alors, mais il faudra que je la récupère. Ah oui, il va falloir que je trouve de quoi... Attends un peu. C'est horrible. La reine, elle ouvre plein de portes. Elle ouvre encore la porte ici. Mais du coup, je peux pas. Oh là là. Super. Et en plus de ça, on me met un zombie. Tant qu'il est tout seul. Et là, c'est quoi? Le roi, ok. A mon avis, on va pas tarder à arrêter de jouer, hein, les gars. Je vais essayer de retourner à l'endroit où il faut aller. On va essayer de garder ses munitions. C'est le bordel, hein. Comment level up? En fait, c'est juste en regardant mon stream. Plus tu regardes mon stream, plus tu vas prendre de level. Et voilà, je trouvais ça sympa. J'ai vu qu'on pouvait faire ça, je trouvais ça cool. Donc plus tu regardes, plus tu prends des levels. Le premier, c'est un de mes modérateurs. Il est niveau 50... 50... quelque chose. Donc voilà, ça va être dur de le rattraper, je pense, mais... Regardez, tout ce qu'on fait, c'est vraiment un jeu... Ah, tu te lèves ? Alors là, tout ce que je fais, c'est juste pour récupérer une clé, hein. C'est un peu chiant, hein. Hop, voilà. Bon, c'est bon, on progresse. Sais-tu qu'il y a un Resident Evil 0 ? Il y a un préquel à Resident Evil 1. Alors désolé pour ce moment, c'est un peu chiant là tout ce que je fais, mais c'est bon. J'ai réussi, on va pouvoir progresser. Il y a même eu une sauvegarde automatique. On espère juste qu'ici, il n'y en a pas d'autres qui vont réapparaître. Et du coup, Tofun, pour voir ton level up, tu fais... tu dois faire ça. Hop. Pour avoir ton premier level, en fait, Wisebot, il indique que quand tu as atteint le niveau 5, hop, tu fais ça, rank, et tu sauras ton level. Et tu sauras, t'es classé combien sur le stream? Bon, moi, ils disent que je suis rang 10 000, what the fuck. On espère qu'ils sont vraiment morts, eux, hein. Tu es level 9 déjà. Tu es déjà niveau 9, Tofun. Donc c'est bien, GG à toi. Ça se passe au même moment que le 1. Au lieu de se crash, on va dans le train.
Ah ouais, d'accord. Ah, c'est stylé. Ah ouais, d'accord, je vois le délire. C'est stylé. De toute façon, je vais me renseigner de fou, je pense. Ah ! Oh non, pas encore. Grimpe, grimpe, grimpe. Nice! Super! Bon, buvons un peu de vodka en regardant ce corps. C'est comme dans Alien, hein, ils pondent des œufs qui. Oh là là. Putain! Ah, j'ai plus de grenades. C'est dégueulasse ce qu'il fait là. Enfin si j'ai des grenades, mais j'ai plus de lance-grenades. Petit petit. En tout cas, je les utilise les munitions. Qui a plagiat, Alien ou Resident Evil? Tu dois faire comme ça avec le point d'exclamation. Point d'exclamation, rank. C'est une commande en fait. C'est une commande. Et là, tu pourras voir ton niveau. Regarde des vidéos, tu marques Resident Evil histoire. Putain, ouais, il doit. Pardon. À mon avis, il doit y avoir des sales vidéos qui expliquent l'histoire du jeu. Ah oui, il faut le taper, pardon, il faut le taper dans le chat, en fait. J'ai peut-être mal expliqué, ouais. Tu dois taper, point d'exclamation, rank. Comme je l'ai fait. Et puis là, il y a Westbot qui t'enverra un message en t'expliquant. Bon. Bon. Attendez. Il y avait quoi juste là? Il y avait quoi au bout, là? Une porte que j'ai débloquée. Mais là, il y a un escalier qui permet de grimper. Et l'escalier, il monte où? Attendez, je regarde d'abord l'escalier. T'as compris, Maël, ou pas? Ah, voilà, parfait, voilà, exactement, tac, tac. Tu vois, tu es level 10. Et tu es classé 17ème. Putain, mon nez me chatouille. Ah. Ah. Ah oui, ici, c'était bloqué. Ok. Ici, c'était bloqué, je me rappelle. Ah. Bon, ça va, franchement, on avance bien. Je commence à avoir les yeux de quelqu'un qui a trop joué aux jeux vidéo, qui a passé trop de temps devant les écrans. Je n'ai plus de munitions, à part un petit peu de mitraillette. Je vais aller ouvrir une porte par là. Oh non! Oh non, 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 non. Littéralement en train de d'utiliser toutes les munitions que j'ai eues jusqu'ici. Hein. Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée. Hein. Voilà. Oh là là, quelle galère. Après, les munitions servent à ça. Hein. Mais dans Resident Evil, parfois, si tu sais éviter de tuer un monstre, évite-le. Mais ces trucs-là, putain...
Je suis venu avec un monte-charge, moi. Je m'en rappelais pas du tout. Je suis déjà venu ici? Mais attends, je suis jamais venu ici. Mais c'est pas là que je dois aller. Ridicule. Oh là là. Oh là là, mais attendez, ce niveau est immense. Des munitions. Toi, t'as pas intérêt à te lever, j'ai pas de balles. Emplacement d'inventaire. Ah putain, le jeu est tellement immense, les gars. Waouh, les yeux, tu connais. Bah ouais, hein, entre gamers, on se comprend. Il y a combien de personnes qui level up? Bah tout le monde, tous ceux qui viennent regarder. Tous ceux qui viennent regarder, mais il faut être follow à la chaîne. Hein. Il faut être follow à la chaîne, et là... Super, je comptais faire demi-tour. Ah, super. Alors là, les gars, on va faire demi-tour. Oh non, non, non. Je me suis trompé d'endroit. Ok, ben maintenant on sait que par là, il y a ce côté-là. Ok, super. Ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard. Putain, quel stress. Bouge l'armoire. Mais je ferai ça plus tard. Ici, je vais retourner à l'endroit avec les pions. Ah oui, il y a le zombie, là. Je vais retourner à l'endroit avec les pions, parce que là, j'ai tous les pions. Enfin, il me semble. C'était par où? C'était par là. C'était par là. Hop. Voilà, safe zone. Safe zone. Je peux sauvegarder, je peux déposer les objets. Bah, Tofu, une 20e, c'est bien. Tu es niveau 9, c'est très bien. C'est un bon début. C'est un bon début, mon ami. C'est un très bon début, même. Attends un peu. Clé des égouts. Bon. Alors. On va probablement arrêter de jouer ici, les amis. On va prendre une petite grenade. On va trier. Je n'ai quasi plus de munitions. J'ai plus de munitions pour pistolet. J'ai 3 balles améliorées. Mais ça, je dois les garder pour les boss, hein, ça. Ah si, j'ai 10 munitions, là. Ok. Alors. Ici, il y a une histoire avec les clés. Il y a une histoire avec les clés. On va voir si je fais ça maintenant ou pas. Tour, cavalier, mur, fou, reine. Ok, alors... Ici, j'ai eu quoi? J'ai eu le roi. Et ça, c'est quoi? C'est la reine. Prise reine. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent à propos de la reine? Je vous lis juste après. Hein. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. D'accord. Ok. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Là, on a le cavalier. Là, on a la... La tour? C'est peut-être le fou. On va mettre ça là. On va mettre la reine. Ok. Je sais pas, on va mettre le roi là pour l'instant. De toute façon, il me manque encore. Hein. Il me manque encore une pièce. Il me manquera une pièce que je devrais mettre peut-être là. Hein. On verra, il y a un petit code. Ça me permettra d'ouvrir cette porte, cette fameuse porte, les amis. Une porte blindée. Pour retrouver la petite fille. Chérie, elle est où? Elle est couchée là-bas, on la voit pas. Hein. On la voit pas, elle est là, elle est au-dessus de mon point rouge. Ce sera l'objectif du prochain live. On devra continuer à explorer les égouts. Vous avez vu, c'est plutôt le bordel. C'est le fou, pas la tour. Ah, ok, ouais, voilà, c'est ça. Salut Dédra, comment vas-tu? Tu vas avoir du mal à écrire. Pourquoi, dis-moi? Pourquoi tu t'es blessé? Donc voilà, je vais arrêter là pour l'instant. Il y a eu tellement de choses. Je vais sauvegarder.
Il s'est passé tellement, mais alors tellement de choses. Je vais faire une nouvelle sauvegarde. Parce que si je suis bloqué, parce que je suis en manque de munitions, peut-être que j'en reprendrai une plus tôt. Pour un petit peu mieux optimiser mes munitions, parce que j'ai tiré. Hein. Là, j'ai gaspillé des balles. Hein. Enfin bon, il le fallait. Hein. Il le fallait, il le fallait. J'ai adoré ce stream. YouTube, je te dis au revoir. Ça fait 55 minutes, la petite VOD. Génial. Il se passe plein de choses. J'adore le jeu. YouTube, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si c'est le cas. À la prochaine.